Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour Monsieur Rivière. Vous avez donc fondé votre parti ce week-end avec euh, Marie-Noël Lindman et euh, le MRC, le mouvement républicain et citoyen. On va revenir sur ce montage, cette articulation. Vous l'avez euh, baptisé euh, gauche républicaine et socialiste. Dans votre discours, vous avez dénoncé une verticalité grotesque, le retour des barbouseries. On croit deviner de quoi vous pouvez parler. Un oui, je parlais d'Emmanuel Macron et de l'affaire Benalla. Voilà. Euh, alors, euh, la verticalité grotesque, c'est la façon dont le président de la République exerce le pouvoir, je suppose. Oui, oui c'est cette façon de surjouer la verticalité oui. qui ne fonctionne pas. Oui. Et on le constate depuis maintenant dix-huit mois. Un hold-up sur les plus pauvres donc ça, ce sont quoi Les taxes Les impôts euh... bah, Emmanuel Macron avait dit à ses amis au moment où il avait gagné la présidentielle, j'ai réalisé un hold-up. Ouais. Nous on ouais. le prenait au sens enfin, métaphorique oui, du terme, oui. mais il fallait le prendre au sens littéral, c'est-à-dire un hold-up en direction des gens les plus pauvres, les plus précaires, les retraités. Et ça, je dénonçais à la fois la, la, la CSG, l'injustice la fiscale, ouais. euh, tout ce que les Français connaissent désormais et que le mouvement des Gilets jaunes a mis en avant de façon assez spectaculaire. Et alors, euh, pour terminer, ouais. euh, et avant d'évoquer les, les ambitions, les intentions de votre nouveau parti. Euh, vous avez également dénoncé, je vous cite, hein, une scandaleuse politique diplomatique. Alors ça, c'est très vaste. Euh, la politique diplomatique de la France, elle rayonne un peu. Donc, alors qu'elle quel bah ne rayonne, rayonne, rayonne pas assez à vos yeux Non, mais enfin, surtout, enfin, pas, je, ça, ça ce n'est pas trouve un scandale que, en soi. Non, je trouve qu'Emmanuel Macron euh, <coughs> rompt de façon assez spectaculaire avec une tradition nationale qu'on peut qualifier de... Golo-mitterrandienne, qui consiste quand même d'abord à ce que la France défende ses intérêts fermement et qu'elle euh, défende son indépendance. Et je prenais deux exemples qui sont des exemples très parlants. D'abord, euh, les relations avec l'Allemagne. On a l'impression, depuis que M. Macron est président, que euh, nous ne faisons que concéder et l'Allemagne ne fait qu'empocher. Et j'en veux pour preuve le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors le problème de ce traité, c'est comme il y a eu ouais. des délires de complotistes et de gens d'extrême droite qui ont raconté n'importe quoi. En disant qu'on donnait pas... notre siège oui, de oui, membre disons, permanent du ou, Conseil ou, de sécurité. L'Alsace-Lorraine l'Allemagne, c'est complètement fou. Mais moi, j'aurais voulu qu'on parle du texte du traité. Et quand on regarde le texte du traité, on fait des concessions sur la diplomatie, on fait des concessions sur la défense, on fait des concessions sur les affaires étrangères, mais on ne demande rien en retour. Rien sur le refus de la politique d'austérité, rien sur l'euro le, qui est surévalué à la demande allemande, rien sur les contraintes budgétaires. Et je pointais du doigt ce déséquilibre qui marque l'affaiblissement de la France. Si vous voulez, c'est euh, Merkel demande à, à Macron euh, « donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure ben ». Ça, c'est le résumé du traité oui. de, la Chape, de la Chapelle. Mais je prenais un autre exemple. J'écoutais votre journal à l'instant, le Venezuela. Ouais. Ah bah, parce que... donc la France avec six autres pays européens oui, mais devrait aujourd'hui reconnaître -ce que vous trouvez le président que... du Parlement -ce que vous trouvez... de l'Assemblée nationale comme oui. nouveau président. Est-ce que vous trouvez normal, Monsieur Rivière, que Emmanuel Macron emboîte le pas? Moins d'une heure après les déclarations de Donald Trump et M. Bolsonaro, une espèce de fasciste qui dirige aujourd'hui le Brésil, qui se sont empressés, alors même qu'on était dans une situation incroyablement confuse, de reconnaître euh, une sorte de coup d'État, en tout cas de coup de force, de la part du président du Parlement vénézuélien, sans prendre la peine d'en discuter, notamment avec les parlementaires français, sans prendre la peine d'attendre les informations. Parce que là, moi-même au Parlement européen, nous avons été saisis du sujet. Et évidemment, la droite, les conservateurs, et aussi une partie des sociaux-démocrates, et là, il faut bien le reconnaître, se sont empressés euh, d'expliquer que Nicolas Maduro était un tyran abominable et que celui qui allait remplacer était un homme formidable. Mmh. Et le mieux, c'est quand même prendre un peu de recul. La vérité, c'est qu'en effet, le Venezuela euh, traverse une grave crise, crise qui est d'ailleurs largement due à l'effondrement du prix du, barol, du, du baril de pétrole. Or, c'est un pays qui en dépend quasi entièrement. C'est bien le problème. Enfin, il y a des pays d'Amérique du Sud qui sont en train d'essayer de trouver des solutions, mmh. des médiations. Et, ce, et, et nous, ce... on n'attend même pas. Et Précipite. De nouvelles élections ne sont pas forcément la, la, la seule issue possible. Ah, mais, euh, mais c'est euh, aux Vénézuéliens et aux Sud-Américains mmh. de décider. Moi, ce qui m'a gêné dans cette affaire, je ne suis pas là pour défendre M. Maduro, hein, qui est quand même, euh, on va dire, qui a un problème avec la démocratie et qui est bien moins bon que ne l'était Chavez, qui lui au moins avait une ambition sociale et était très populaire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas à la France emboîtant le pas aux États-Unis de se précipiter sur ce sujet. Parce que je rappelle quand même que, et c'est pour ça que je finis sur la politique diplomatique, quand il s'agit de l'Arabie saoudite et de la guerre qu'elle mène au Yémen avec des armes françaises, là, il n'y a plus personne. Euh, M. M. Macron ne se mêle pas non plus de ce qui se passe au Gabon ou de ce qui se passe en Égypte. D'ailleurs, il est allé en Égypte, Égypte il a dit le contraire. Voilà pourquoi je pointais ouais. une politique diplomatique. Qui rompt avec la tradition d'indépendance de la France. Alors, on va parler maintenant un peu de votre parti, Donc, le GRS, vous avez vous-même souligné que ça évoque l'acronyme de la gymnastique rythmique au sol. En fait, c'est pas moi, euh, c'est un, oui. un journaliste qui se voulait malin, mais maintenant, d'abord, ça s'appelle gymnastique et rythmique. Oui, hein, c'est la au sol, en fait. Et puis, finalement, <laughs> euh, bon, j'avais anticipé les moqueries, mais qu'on soit une gauche un peu bondissante, un peu tonique, <laughs> oui. bah, ça ferait pas de mais, mal. Mais, mais pas trop, mais souple aussi, alors. Je ça, euh... bah, il faut de la souplesse, non pas oui. dans les conviction, voilà. mais dans la façon d'agir. Alors rassurez-vous, nous avons de la souplesse. Notre parti est constitué euh, d'anciens socialistes et donc d'une fusion avec euh, le MRC, le... oui, qui avait été fondé par Jean-Pierre Chevènement. Voilà, exactement. <laughs> donc, est-ce que la ligne de votre partie va être celle précisément du MRC, donc un peu celle de Jean-Pierre Chevènement Alors, euh, République forte, ça, a priori, c'était une des valeurs défendues de, par Jean-Pierre Chevènement, un État présent dans l'économie, euh, une intransigeance absolue sur les questions de laïcité et euh, l'affirmation d'une certaine souveraineté de la France, notamment, et d'ailleurs vous y avez fait allusion dès le début, notamment à l'égard de, de l'Union européenne. Est-ce qu'en gros, ça va être ça la limite On n'est pas, pas là pour faire du néo-chauvèdementisme. Euh, euh, ça n'a ça pas de sens. Il fallait déjà, de mon point de vue, et du point de vue des camarades du MRC, euh, ramasser le drapeau du socialisme qui était par terre. Parce que l'idéal socialiste, le, la République sociale, qui est notre tradition en France, hein, qui est celle inaugurée par Jaurès, euh, s'est diluée progressivement dans une social-démocratie qui a failli oui. sur bien, bien, euh, nombreuses questions. Et je vous en avais parlé ici à de nombreuses reprises. Euh, donc il fallait, il fallait euh, ramasser, rallumer la flamme. C'est ce qu'on fait et on se reconnaît dans la tradition du socialisme républicain. Vous l'avez dit très bien la République, comme contenu et comme projet une forme d'intransigeance par rapport à la laïcité. Oui, ça, je le confirme. Mais enfin, ça va bien au-delà. Nous avons fait aussi notre évolution culturelle en matière d'écologie. Et dans le texte, très beau texte d'ailleurs, la déclaration de principe que nous avons votée hier, nous abordons les questions d'écologie avec beaucoup de sérieux, la question de la planification écologique. Donc, c'est un parti nouveau qui prend en compte les évolutions des deux dernières décennies et qui essaye de tracer une perspective pour la gauche de demain. Mais c'est aussi un pari stratégique, parce que ce qui a été voté ce week-end, et Pas seulement la création d'un nouveau parti, c'est aussi euh, une volonté de rassemblement. Alors, on a commencé par se rassembler, mais même, la, le rassemblement, mais rassemblement de qui parce que tout le monde veut le rassemblement de la gauche. Mais, oui, la, la la que, le fait. mais la différence, mais la différence, c'est que moi, je n'en ne, reste pas à des invocations. Je donne des mmh. preuves, et la preuve, c'est que nous nous rassemblons avec la première force politique à gauche aujourd'hui, la, la France insoumise. Vous allez faire la liste, pour liste laquelle, commune. C'est ah. la raison pour laquelle nous avons la même liste aux européennes. Oui. Et d'ailleurs, est-ce je... que le, 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 le rassemblement n'aurait pas été encore plus complet, et plus cohérent, si vous aviez purement et simplement rejoint la France insoumise. Non mais la France insoumise, c'est pas un parti, c'est un ouais. mouvement. Alors euh, ça. Vous, conna... vous, vous croyez connaissez... avec marie Lindemann, donc, qui bah, est cofondatrice, à, à la encore. nécessité Bien des partis dans la Bien République. sûr, c'est une discussion ouais. qu'on a eu souvent avec Jean-Luc Mélenchon. Une discussion très fructueuse. Mais euh, donc moi, je crois encore au parti. Ça ne m'empêche pas de participer euh, à cette liste. Et alors, qui, est, qui est déjà une liste de rassemblement, parce que j'entends ici ou là, oh là là, les miettements de la gauche, mmh. euh, des plaintes mais la vérité, c'est que la liste de rassemblement, elle existe. Euh, la liste, maintenant, le peuple, elle est conduite par Manon Aubry, une jeune femme qui n'est même la pas soumise à hein, Oui, oui, qui a combattu... vous désormais. Eh ben, bien oui. sûr, et qui, qui combat l'évasion fiscale oui. de depuis des années. Sur cette liste, il y a donc des socialistes. Oui. On fait partie des anciens chevénementistes. De ils sont sur la liste. Il y a un ancien député écologiste, Monsieur Coronado. Bref, c'est déjà une liste de rassemblement. Et je m'adresse notamment à tous les gens de gauche qui avaient voté non au traité constitutionnel européen. Ben, c'est leur liste, parce que vous retrouvez les thématiques, les combats qui été ceux euh, qui, de, de, de ceux qui s'étaient levés au moment de 2005. Donc euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui déplorent ou qui pleurnichent. J'essaye de trouver des solutions, et ça, c'est une solution politique. Est-ce que vous êtes capable de me répondre en 20 secondes à une question. Bah, bien sûr. Est-ce que vous êtes favorable à un grand débat national à l'issue du. À un référendum oui. à l'issue du grand débat national Moi, je suis pour le recours à la démocratie, euh, la démocratie oui. directe. Mais je ne veux pas que ça se passe comme le grand débat, c'est-à-dire le gouvernement choisit et les questions et les réponses. Merci, Emmanuel Morel. Vous avez joué le jeu. Merci, c'est Rivière.